La coalition avec Kolda Dobou, dont j'ai l'insigne honneur de diriger la liste majoritaire, et aujourd'hui à Gadapara, à l'occasion des 72 heures qu'on a l'habitude de faire dans les quartiers pour accompagner les populations dans un certain nombre d'activités liées notamment au remblayage, nivellement et escamotage de certaines routes, mais également dans des activités liées à l'appui aux populations au niveau des postes de santé par du matériel pour le relèvement des plateaux techniques, mais également par des activités de formation aux femmes et d'accompagnement dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Donc aujourd'hui on est à l'étape de Gadapara, on vient simplement tout de suite de procéder au don du matériel. Nous avons déjà commencé le remblayage d'un certain nombre de routes et la formation des femmes a été déjà une satisfaction il y a quelques jours. Donc c'est un retour des choses que nous avons et nous nous réjouissons de la bonne mobilisation des populations qui ont accueilli à bras ouverts en tout cas cette initiative qui ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui Gadapara et le quartier Bouna sont les deux
quartiers qui ont accueilli nos activités de ces 72 heures. Donc, je pense que vous avez une idée hein, de pouvoir faire par vous-même l'inventaire, mais entre autres, nous avons aujourd'hui, une chaise dentaire, un couvoir, nous avons un certain nombre de matériel, des lits d'hospitalisation, nous avons du matériel compresse, des blouses et d'autres types de matériel, des kits pour bébés et autres. Donc je pense que vous pouvez par vous-même constater, parce que c'est l'équipe avec laquelle je travaille qui ont fait le nécessaire pour faire le listing des besoins et qui sont venus aujourd'hui l'octroyer. Et nous avons décidé avec cette équipe qui nous ont en tout cas demandé par la voix de M. Diambari de leur octroyer ou de faire en sorte qu'on leur construise un logement des sages-femmes. Et nous avons pris cet engagement-là qu'incessamment nous allons démarrer les travaux pour accompagner les populations de Gadapa. Non, tout le matériel que nous amenons, les services concernés savent d'avance que ce n'est pas à vendre. D'autant plus que les postes de santé, c'est les premiers, c'est les premières structures à visiter avant d'aller à un certain niveau. Donc si elles sont bien équipées, le reste, la plupart des gens pourront gérer le flux. Donc ils savent que ce que nous donnons, ce que nous faisons en sorte que ce soit à la disposition des populations est gratuit. Nous avons des partenaires un peu partout. Et je peux vous dire que par exemple, ce matériel-là, c'est autant les partenaires que la diaspora coldoise qui participent. Parce que comme je vous ai dit, notre travail, c'est un travail de collaboration. Nous sommes dans l'ère de la gouvernance participative. Il faut s'organiser pour que tout un chacun y participe de sa main, de son initiative, de son savoir et de son savoir-faire, de ses moyens. Chacun d'entre nous, que ce soit vous journalistes, que ce soit vous acteurs de la presse, que ce soit les populations en tant que telles, que ce soit la diaspora, nous invitons tout le monde dans l'élaboration d'un programme, dans le travail et la réalisation d'un colda nouveau. Il est possible d'avoir un autre colda après l'implication de tous les fils, de toutes les filles de colda. Nous pensons que c'est ensemble que nous pourrons changer la donne, pas seuls.